J'ai vu beaucoup du reste du monde. Il est brutal et cruel et sombre. Rome est la lumière. C'est que tu n'y es jamais allé. Que tu n'as pas vu ce qu'elle est devenue. Je sais Rome. Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligoterie à Gallica. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre sixième épisode sur notre let's play de notre campagne coop sur Attila Total War. Bonjour Anne-Biggy. Pour faire rapidement le résumé de ce qui s'est passé, on a passé le tour comme d'habitude. En Afrique, enfin en Hispanie d'abord, tu as été réattaqué à Palma et ils ont repris la cité. Enfin, ils ont débarqué à côté, effectivement. Tu as continué ton siège. En Italie, c'est un peu la merde. Tu as une armée qui a pénétré, Marcomane, hein, ouais. Qui a pénétré jusqu'à Fiorentina et qui l'a pillé. Yep. Je crois que c'est tout de ton côté. Oui. Chez moi, c'est. Si. Il y a les mecs qui sont à Sicilia là, c'est lesquels déjà? Les Illyriques qui m'ont proposé la paix, mais j'ai refusé parce que je récupérais la Dalmatie accessoirement. Effectivement. Ensuite, pour ce qui est de Bibi, donc. Ah, pardon. Et j'ai eu une paix avec les. C'était qui déjà? J'ai eu Vandales. Une paix. Les Vandales. Les Vandales, c'est ça, les Vandales. J'ai fait la paix avec les Vandales. Effectivement, les Vandales. De mon côté, on vient de faire une petite bataille hors enregistrement parce qu'elle n'était pas très intéressante. On a vaincu la révolte, malheureusement elle a survécu, donc oui, elle va revenir à la charge. Sinon, de mon côté, je crois pas grand chose de plus. Hein. Non, je crois pas. Non, on ne va pas non plus. Bon. Alright, alors. Eh bien, en Afrique, comme d'habitude, je vais commencer. Alors, toi, tu remonterais comme ça et tu descendrais ou tu irais directement, sachant qu'il y a le désert? Dans tous les cas, tu vas prendre de l'attrition. Ouais, mais après, j'aurai quelques tours où je pourrais régénérer. Parce que dans le nord de l'Afrique, pardon, tu régénères. Là tu peux régénérer aussi vu que ça m'appartient jusque là. Normalement. Ah ouais, mais il y a le désert, donc là je prends cher quand même. Ouais, mais si tu te mets en place forte. Ouais. Why not? Allez, on va faire ça. Hop. Ici, on va la laisser là, celle-là, pour l'instant. Est-ce que je recrute? Non, on va recruter sur des endroits plus stratégiques. Ensuite, la Grèce. Alors ça, Corinthe, je vais réparer. Alors Corinthe, là, la province est stabilisée jusqu'au sud. Malheureusement, je vais avoir une révolte à ce tour-là, mais je pense que je peux essayer de construire des bâtiments pour avoir de l'ordre public. Et qu'est-ce qu'on a comme bon bâtiment qui permet de donner de l'ordre public, Nvidi? Bonne question. C'est moi-même, c'est un peu la douille chez moi. Non mais t'embête pas, je vais construire des bains parce que ça fera de l'hygiène publique et de l'ordre public. Sachant qu'en fait l'ordre public est négatif parce que il y a des mauvais. Enfin je viens de me taper des raids, etc. Donc effectivement là c'est compliqué. Enfin là les raids en fait c'est les Ostrogoths. Mais bon, pour l'instant on va faire ça. Alors là j'ai un problème, c'est que je vais avoir une révolte au prochain tour. Et soit je remonte mon armée jusqu'à Dyrrachium, Thessalonique, soit je laisse à Corinthe. Parce que si jamais elle n'est pas à Corinthe, bah j'aurais tout gagné. Et si elle est à Corinthe, ça me ferait chier. Oui, parce qu'elle n'est pas forcément à la capitale, putain. Non. C'est... près de Thessalonique, sachant qu'à Corinthe, t'as rien du tout, et Thessalonique... Après Thessaloniki, au moins t'as un peu de trucs, donc ouais, je sais pas. Je sais pas, mec. Là,
Ah, au pire, si elle est à Thessaloniki, tu descends avec l'armée de Scoopy. Oui, mais non, mais sachant que l'armée de Scoopy, elle doit déjà aller entre Serdia et, ouais, et Trimantum. Bien, je vais le faire. Oui. Yes. Hop, ça c'est réglé. Ah, t'as perdu une unité. Ouais, je vais régène. Zico là. Ou alors c'est là. Dans cette armée là qu'on vient d'utiliser, je vais la ramener à Constantinople et je vais la faire traverser le détroit. Pour aller m'occuper de la révolte qu'il y a derrière. Ouais. Parce que de toute façon, celle-là, il faudra que je fasse des sacrifices pour aller me la faire. Donc autant que ce soit assez rapidement. Yep. Hop, je peux prendre des petits mercenaires. Avec un peu de chance, j'arriverai à me la faire. Bon, ça n'aurait pas problème mon armée du sud par contre. Non, ben je vais prendre le pari. Tant pis, je monte à Thessalonique. Voilà, au moins elle sera pas au prochain tour vu que j'ai mis l'armée dedans. Ensuite, en Turquie, j'ai une révolte. Ici, c'est normal, j'avais dégarni un petit peu. Et elle fit trop loin, cette pétasse. Trapezus, Béthylène, oui, c'est la même. Alright, alors je vais avoir ça à m'occuper. Oh, moins 10% de recrutement pour les unités d'infanterie de mêlée, c'est pas mal ça. Oh, alors je viens de voir un truc. Les Francs se sont installés en Scandinavie, au Danemark. Voilà, c'est très bien, ça me va. Ah, la Gaule est réapparue aussi. Hop. Voilà. Mes deux vassaux m'ont donné 600 thunes. Alors, je sais quelle est l'information qu'on a oublié de dire à propos du... pendant le passe, le changement de tour. Ouais. Les morts m'ont déclaré la guerre. Ouais. Ouais, c'est... Voilà. C'est pas une information des moindres. Non, donc voilà, donc bah on est reparti pour un tour en Afrique, hein. On espérait laisser un peu de population arabe, mais il semblerait qu'il faille qu'on fasse un petit ménage. Bon, eh bien je vais pouvoir faire fin de tour. Alors, c'est parti. Alors je m'excuse si jamais je parle un peu du nez, je suis un peu malade. Donc évidemment j'aurais coupé tous les passages où Van Gigi et moi on crache nos poumons parce qu'on est tous les deux malades un peu et qu'on tousse. Mais pour ce qui est de la voix, je peux rien faire. Et je m'excuse du coup si je parle un peu avec le nez, que j'ai une voix encore plus insupportable que d'habitude. Je fais de mon mieux, hein. Je traîne un truc depuis une semaine et je pensais que ça irait pour ce soir, c'est pas le cas. Je vais à Sidamus, hein. T'as compris, Indigui, je m'excuse. Oui. Moi, je m'excuse pour tous ces épisodes où je vous ai cassé les oreilles. Voilà, comme ça, ce sera à chaque fois, il y en a un des deux qui est insupportable avec sa voix. Par contre, si on peut... Non, je peux pas me mettre. Pourquoi je peux pas? Bah parce que okay. T'as dépassé, je pense. Fais chier. Bon, après, je prends pas de dégâts. Parce que je pense que, comme l'attrition, ouais, l'attrition et tout ça doivent s'annuler, donc je prends pas de dégâts. Alors moi, je vois que tu prends du dégât. Hein. Oui, moi aussi, mais sur mon armée, je ne vois pas de... monter un camp, ou quitter cet endroit, non. Il m'annonce pas que... Bah du coup, au prochain tour, tu pourrais te faire Sidabus, en fait. Oui, je pense. C'est bon, ça dépend s'il y a une armée dedans. J'espère que je pourrais. Normalement, ça m'étonnerait qu'il en ait une. Hein. J'espère pas, effectivement. Oh, tu veux savoir quelque chose? Moi qui avais une super économie, tout ça. 150. Ah bah ouais. Voilà, c'est mon revenu au prochain tour, 150. Alors, 4100, mais j'ai pris tellement cher, j'ai plus d'armée. Hein. Ah, moi j'ai que des armées. Voilà, ça c'est bien. Lui il va arrêter de m'emmerder. Tu décides de faire quoi du coup en. Je récupère ma ville et j'abats ce petit truc là qui est venu m'emmerder. C'est vrai qu'il a plus grand chose, hein. Non.
Ouais, il a encore pas mal quand même encore. Après, moi, j'ai dans son armée, ça va. Ah, ah il a coup, attaqué. Il était dans la bataille en fait. J'avais même pas regardé. Oui. Eh, parce que t'as des protectoresses maintenant, c'est ça? Oui. Mais... Ah, ça change tout. Ah bah ça. Alors je sais pas combien de kills ils ont fait lors de la dernière bataille, mais je pense que ouais ils ont dû tabasser un peu. Bah surtout pour ce stade de la game. Ouais. Moi je pourrais en avoir au mieux en 4 tours. Ah oh, technologie. Ouais moi aussi j'en viens d'en finir une. Ah je peux de rechercher l'amélioration. Ouais mais non ça m'intéresse pas. Non côté vie civile peut-être. Ah bah là j'ai pris un peu de militaire. On va prendre l'enclos à bétail. Alors le truc c'est que là j'ai les Ostrogo. Putain. Ouais et moi ils m'embêtent aussi. T'es en guerre? Non, je suis pas en guerre mais ils me pillent. Et du coup il me fait un sacré malus d'ordre public en Grèce. Ce qui fait que... Je peux... Ah non. Si. Ah non, c'est ça, il y a une toute petite flèche rouge. Non, mais de toute façon, ils sont alliés avec qui les Visigoths? Moi, je peux pas regarder. Je sais pas. Attends, je vais te dire ça. Personne? Hop, diplomatie. Ah, les Gépides. Ils sont liés avec les Gépides. J'ai trop. En guerre, avec qui je suis je crois. Ostrogo. Ouais. Alliance militaire avec les Gépides qui sont juste au-dessus. Ouais. On dit au revoir à l'armée qui est à Dyrrachium. Mais surtout, j'ai pas. Bon, sauf si il fuit. Ah bah. Il fuit. Du coup, on lui dit pas au revoir. Selon ce qu'il fait, prochain tour, je lui déclare la guerre avec toi pour t'aider. Hein. Ouais. Ouais. J'aurai mon armée. Mon armée aura régène. Bon, j'ai pas grand chose dedans, mais bon. Voilà. Salona, on va espérer que ça tienne. Au pire, la Dalmatie c'est la merde, donc je viendrai la récupérer plus tard, et puis voilà. Ça se récupérera après. Et il y a déjà, toujours pas l'Empire Sassanide contre moi. Ne provoque pas le jeu. Bon, de toute façon, l'Empire Sassanide. Si l'Empire Sassanide me déclare la guerre, c'est simple, j'abandonne la Turquie. Je me pose pas de questions, je renvoie tout en Grèce, et je défends la Grèce, c'est tout. Et peut-être que j'essaie de défendre l'Asia, mais pas plus. Je ne défendrai pas, ça sert à rien, je vais me faire éclater. Alors, je suis en déj de thunes. Je peux pas t'en donner, j'en ai que 77. T'as pas des satrapies? Non, t'en as pas avec l'Occident. Attends, facteur, ouais. En fait, mon problème, c'est que j'ai pas assez de bouffe. Donc en fait, on va juste enlever ça. Ça, je vais le vendre aussi. Dès que j'ai fini la guerre contre lui, ça me rapporte 300. Et je vais recruter des comitatus. Ça me rapporte 50 en nourriture. Ah, je peux pas enlever tout ça. Passage de tour. Ah. Tu te fais défoncer là, non? Ah oui. Parce que moi, je l'ai un peu vu venir aussi, mais je me suis dit, bah ouais, peut-être qu'il le fera pas. Quand non, c'était sûr. Alors attends. Ce qui est sûr, c'est que je vois pas toute leur armée. Beaucoup d'archers. Il y a une armée ou deux là? Il y a deux armées. Ouais, c'est ça. Et il y a la mienne? Je peux fuir. Non, il y a pas la tienne. Justement. Moi, j'ai que deux armées et je peux fuir. Bah, essaie de fuir. Vas-y, refuis. Et fuis au bon endroit par contre. Ouais, mais du coup, il t'en tuera qu'une seule. J'en perds une. Ouais, j'en perds une. Ah, mais non, mon armée n'est pas avec toi, c'est vrai, je suis pas en guerre contre. Ouais, ça aurait été un peu chaud là. Ouais. Non, mais deux armées full. J'espère juste lui faire un maximum de dégâts et. Ouais, t'arrêtes tes finances. Oui, c'est le point positif. Là, tu vas pouvoir lever une armée avec des protectoresses. Je. 233 pertes. Un vrai plaisir.
il t'attaque. Ouais, une attaque Nicomédie. Ouais, laisse tomber. Ouais, tu vas devoir tout reprendre au prochain tour. Ouais. Enfin, aux deux prochains tours. Ah, Palma, il va peut-être enfin la prendre. Oh putain, c'est ça que j'ai oublié de faire au tour d'avant. Ah oui. Bien joué, Guillaume. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Ah, c'est pas grave. Tu voulais l'abandonner ? Hein ? T'aurais pu l'abandonner, c'est ça ? Non. J'ai pas pris. J'étais, je suis en train d'assiéger leur ville de l'autre côté. Et je l'ai pas attaqué alors que j'avais de quoi attaquer vu que j'ai enfin les engins de siège. C'est con ça. Oui. Pas grave. Tyrus. Ça c'est chez toi. Ouais, c'est au Levant. C'est tout plein de territoire, j'ai abandonné dès le tour 1 ça. L'avantage c'est que ça va faire plein d'états pas très forts, j'espère. Et tampons jusqu'à ce que les Sassanides arrivent. Yep. Alors. Dans cette cavalerie, on va recruter comme un porc sur cette armée. Ah ben non, on va prendre que ça. Et prochain tour, j'attaque. Ou alors je tente maintenant. Bon, alors je le tente maintenant, tiens. Est-ce que je... Oui, je l'atteins. Je prendrai ces piquets. Tu penses que je peux me les faire, les rebelles qui sont à Cyzicus, en Turquie actuelle? Alors, moi, je veux pas leur armée. Moi non plus. c'est celle qui vient d'attaquer Nicomédie. Avec ce que j'ai là comme armée, là. Mais je sais pas avec quoi ils peuvent attaquer. Enfin, j'ai pas retenu. J'avoue que j'ai pas retenu. Et ça dépend de ce qu'il y a dans leur truc. Pas grand chose et pas dans le meilleur des états. Bah attends, au pire, je vais attaquer par la mer. Ah, ils y sont pas. Ouais, mais il y a quand même les renforts. Ouais, et je perds. Bon. On va me les régler. On revient à Constantinople. Après, j'ai attaqué par la mer, donc j'ai un malus, mais. Ah oui. Allez, ouais. 3 lanciers en plus pour le prochain tour. Alors ici. Quoi ? Oh non mais sérieux, je me fais défoncer par une armée rebelle à la con quoi. Bon, bah repli. Sachant qu'ils vont attaquer certainement. Bon, ici. J'espère que je suis pas en train de me jeter dans la gueule du loup quand même. Hein, En Afrique ? En Afrique, là. J'espère aussi. Faut lui pas de ramener ta deuxième armée en même temps. Ouais. Je le fais. Bon, alors. Il va me rester l'armée d'Alexandria. Que je vais laisser telle qu'elle. Alors ici. Allez, je vais faire ça. Alors il reste mon armée à Thessalonique que j'ai pas bougé. Oh putain, je suis dégoûté, j'aurais pu amener mon armée de Thessalonique à Cyzicus. Ouais, mais cela dit, je me serais fait défoncer. Ah bah j'avais pas vu, mais je me fais assiéger Salona. Donc au prochain tour, je perds la Dalmatie. Ça c'est bien, j'ai les Ostrogoths qui vont m'arriver sur la gueule. Ok. Après, c'est pas sûr que qu'ils te la prennent. Non, mais si c'est pas eux, ce sera les Ostrogoths. Les aigles de Tinia. Ah, ils ont des bons lanciers. Bah, je vais les sortir pour que la rébellion éclate. À la limite, je vais les approcher un peu du sud. Ça, si jamais c'est à Corinthe, ils pourront y aller. Et du coup, voilà, j'ai pris ces unités-là. Hop. Et du coup, voilà. Alors, ça va bientôt être à toi, cette armée-là. Ouais, toujours pareil, du coup. Cette armée-là, oui. Ça, c'est bon.
Et ok, j'ai plus de thunes. Je fais fin de tour. Voilà, ça, on va bah, l'assiéger du coup et la récupérer. De quoi donc? Kaisare. C'est la merde un peu, hein? Non! Ah, alors attends. Si, c'est peut-être la merde. Il y a les séparatistes d'Afrique, là, comment ils s'appellent déjà? Séparatistes africains, ouais, c'est ça. Qui sont à droite. Ouais, qui sont en train de remonter vers chez moi. Je vois ça. Oui, j'ai quand même moins 25 de religions sur différences religieuses dans mon. Dans ma province qu'on vient de prendre. Bah, ouais, tu Alors, faut que j'essaye de m'échapper de l'Italie. Ça va peut-être le faire. Ouais, c'est bon. Et voilà. Boum, je reviens en Italie. Donc ça y est. On est peut-être officiellement séparés. Ouais. Sachant ouais. qu'il restera la province frontalière en Afrique, mais pour ce qui est de l'Europe, en tout cas... Pour l'Europe, on va être séparés, mon ami. Mais je reviendrai. Plus puissant. Plus beau, plus tout. Ok, alors attends, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Non, mais là, des points d'expérience. Moi, j'espère juste que la révolte ira, sera pas à Corinthe. Même si elle est d'Irakium, je pourrais mettre ma légion dedans et du coup la protéger, mais... J'avoue que là, ça serait pas mal si on pouvait être un peu tranquille. Ouais. Parce que voilà, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que j'aille me faire la rébellion à Palma. Après, j'ai une belle armée pour y aller, mais... Flemme, quoi. Ouais, on va prendre... Oh, ah non. On va prendre 3 archers, ouais. Voilà, on va compléter une armée avec 3 archers. Mercenaire du désert, c'est pas grand chose. J'ai toujours pas de fils, moi, avec mon épouse, putain. Pas regarder cette partie-là. Tiens, regardons. Ah, j'ai eu une fille qui est morte. Bah, de toute façon, toi, t'as Stilicon, mais. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire? Rien de spécial, on est d'accord, les provinces. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai peur d'oublier quelque chose. Eh ben, c'est les Ostrogoths qui assiègent finalement Salona. Au cas où, tu sais. Ah non, pardon, j'ai regardé trop vite. Non, toujours les mêmes qui assiègent, mais les Ostrogoths se sont rapprochés. Bon! J'ai les Vandales chez moi. Les Garamantes sont sortis du désert, enfin de leur ville, et attaquent mon armée. Je vais tenter de fuir, mais j'ai pas le niveau pour me le faire s'ils m'attaquent. C'est bon. Non, c'est bon, t'es bon. Ah, oui. Et lui, il continue. Ah ouais, putain, mais il va vraiment... Oh. Ah, ça va être... Ah, il est pas allé reprendre Nico Media. Non. Ce qui est vrai, c'est que du coup, je vais avoir beaucoup de villes à réparer. Ouais. Ça va pas être bien, ça. Mais là, par contre, il aura plus de villes. Ah, la Gaule veut la paix. Ah, mais ils veulent que je les paye pour avoir la paix. Bah non. J'ai toujours un doute. La paix, c'est combien de tours sur ce jeu? 10. Ah bon? Ouais, 10 tours. Ouais, je leur redéclarerai la guerre dans 10 tours. Parce que là, j'ai quand même beaucoup d'ennemis, donc ce serait pas mal si je pouvais baisser un peu. Voilà. Alors, attends, j'ai une affaire d'état. Bon, alors... Est-ce que je peux déclarer la paix avec la Dacie? Modéré. J'ai tenté de recevoir un peu de thunes. Non. Alors je vais demander tout simplement la paix.
Non, ils veulent pas. Bon, malheureusement, je vais devoir m'éloigner parce qu'il y a une nouvelle révolte plus loin. Hop là. Ouais, évidemment, ça fuit, mais je le rattrape. Parfait. On va prendre là-dessus. On va revenir dans Serdica. Oh, il y aura à nouveau une révolte. Enfin, si j'avais pas mis en arrière, il y avait à nouveau une révolte au tour prochain. C'est vraiment dégueulasse. Oh non, j'ai la peste dans mon armée principale à Constantinople. Oh. Ah yes. C'est pas possible. Joie et bonheur sur cette campagne. Auto. Occupé ou juste occupé? Occupé hein. Voilà. J'ai gagné des traditions. On va prendre ça toujours. Ok, bon. Oui. Alors du coup, non. Mais je peux avoir des protectores. Ils me font peur. Je sais vraiment pas quoi faire en Asie. Hein. Enfin, en Turquie, vraiment tout à l'est de mon territoire, là, je sais vraiment pas quoi faire. Je dirais que c'est vraiment pas. Parce que là, ça sert à rien de l'attaquer parce que il est plus fort que moi. Ouais, ça, j'ai mis en mode. Ah non. Ouais, là, je sais vraiment pas quoi faire, quoi. Est-ce que tu replierais tes deux armées Bah, c'est ce que j'étais en train de me demander. Ça veut dire que j'irai en Asie, hein, parce que Bithynie-Cilicia, ça va pas être défendable, ça. Non. Puis saison la peste, la moitié. Non, bah je sais pas quoi faire. À l'est, je sais pas quoi faire. Alors après, est-ce que tiens, les Tainuki ont disparu? Ah non, je suis plus en guerre avec eux, c'est tout. Je vais regarder, est-ce que certains peuples veulent bien faire la paix avec moi? Non. Ah non, lui non. Là, si, on a déjà regardé. Et Palmyre. Personne ne veut faire la paix. Bon, bah écoute. Je vais me replier par le nord. Ouais, mais en même temps, c'est des provinces riches que j'ai développées en plus. Je peux pas partir comme ça. Non, ouais, je vais le défendre, tant pis. Hop. Hop, hop. Hop. Voilà. Je retourne, j'aurai une vraie armée. Ok, bon, il reste l'Afrique. Ouais, Afrique... Je sais pas si au prochain tour je peux l'attaquer. Ouais, sachant que si je l'attaque, il y a un monde où il fuit. Alors moi, avec mon armée secondaire, je peux attaquer Aogi là. Là. Mais je sais pas si j'envoie la mort. Ah, c'est ça le truc, c'est quand même Aogi là. Attends, il y aurait pas de garnison à Aogi là? Si, mais de la merde. Parce que il me propose pas de l'avoir la garnison d'Aogi là. Je prends une unité de frondeur en plus. Ouais, parce qu'on n'a pas d'espion en fait, je suis con.
Je pense que tu étais là. Donc là, là, je pourrais attaquer Aogi là en fait. Sinon, moi j'abandonne Sidamis pour l'instant, enfin j'y vais pas tout de suite quoi, et je te rejoins, et dans deux tours on attaque Aogila. Il y a quoi de chiant dans son armée? Beaucoup de tireurs? Beaucoup de lanciers, il a 4 lanceurs du désert. Par contre, il a 3 légionnaires transfuges mercenaires du désert. Ah ouais. Ça, ça fait énormément de dégâts ça. Alors après, moi, ce que je peux faire, c'est je me fais les rebelles africains. Yep. Ou alors, d'ailleurs, je t'attends directement là où je suis, en fait. Ouais. Bah, est-ce que je pourrais te rejoindre? Ouais, si je devrais avoir la portée. Bon, puis là, je recule un petit peu. Ouais, recule un peu, ouais. Je vais aller là. Tu te mets en fortification. Voilà, mais donc du coup, mon autre petite armée, j'attends aussi. Ouais. Ok, bah ça va être une fin de tour. Hein. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Cette armée là, je vais carrément la pratiquement full dilapider. Oh, dès que j'aurai fini, merde. Et je remplacerai par des vraies unités là-dedans. Mais là, on va prier que la révolte n'apparaisse pas à Corinthe. Et elle apparaît à Corinthe. No God! No God, please no! No! Oh putain! Faut que je redescende à Corinthe quoi. Donc ils vont reprendre la ville, donc je venais de la réparer et tout. Et oh. Ah parfait. Ah attends, vas-y, j'ai l'armée rebelle. Ça dégage. Bon bah voilà, Ifi à ton niveau. Parce que bon, ils ont quand même un. Moi j'ai pris un peu cher quand même. Oh, 47. Ah, c'est dommage. J'avais la portée. C'est triste. J'avais la portée. Ouais, mais il aurait fui. Hein. Ouais. Mais voilà. Alors. Là, colle-toi à moi. Non, non, colle-toi à moi. Colle-toi à moi. Ouais, non, mais en fait, c'est juste, j'ai réfléchi. D'ailleurs, t'as une révolte au prochain tour. Hein. Encore? Oh ouais. Je crois que je vais avoir des révoltes en boucle sur ce territoire. Pour l'instant. Donc faut que je mette des choses en place. On va convertir ça. Les Pictes peut-être. D'accord, non, les Pictes ils ont pas envie. Calédoniens peut-être. Allez, Vandal arrive sur ton territoire quand même. Oui, oui, je sais. Heureusement que j'ai. Heureusement, on a fait la paix il y a pas longtemps, donc je suis. Les jutes, peut-être. Ce serait cool, les jutes. Un petit traité de paix. Non. D'accord. Les Saxons, peut-être. Les Allemands, peut-être. J'ai trop d'ennemis. Oh, 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 oh. Oui! Un traité de paix. 1. La Gaule. Ils me l'ont proposé tout à l'heure, mais ils voulaient que je les paye. La Gaule, c'est bon. Allez. Allez, on va réduire un peu ça. Si ça m'intéresse pas. Grande-Bretagne. Bah, essaie de regarder si tu peux les payer. Enfin, s'ils peuvent te payer. Flemme. C'est vrai que t'es en guerre contre les 4. Les 5. Population en Grande-Bretagne. Eblani, Pict, ouais. Calédonien, Grande-Bretagne, Jute, t'es en guerre contre tout le monde. Alors attends. Ah, surtout qu'ils peuvent me donner beaucoup de thunes apparemment. Ah, beaucoup de thunes. Qui? La rébellion des Baléares. Ah ouais? Ah, tu viens de bouffer leur capitale. Hein. 1005 de thunes. Ils ont rejeté. On va baisser un tout petit peu. On va aller à 1004. 1002. Bon, normalement, voilà, ça sert à rien que je propose aux ceux qui sont en Turquie. Parce que vu qu'ils ont plus de ville, normalement, ils accepteraient pas.
Ouais, les morts. Ouais, les morts, bon. Je vais vérifier quand même, mais bon. J'en doutais. Codes, non, d'accord. Il marque comment, peut-être. Oh oui. Oui. Incroyable. Marque comment accepte. Ouais. Et pareil, je leur gratte de la thune. Bien ça. 1005. 1008. 2100. 2004. Ah, 2007. Bah écoutez, 2004. D'accord. 2004. D'accord, je vais rester un peu. Et garamment, ça m'intéresse pas. Hop. Bah voilà, je viens de me faire une petite fortune avec des paix. Tant mieux parce que tu les perdais. Donc ça, ici, et Rome, qu'est-ce que... Plus de thunes à Rome. Non, ce serait bien qu'ici je fasse un... Ouais, voilà. Et ça, on verra après. Eh ben, écoute, il me semble que j'ai terminé. Bah, tu peux sauvegarder et on va faire fin d'épisode. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Ligue Autre Gaïka, à nous rejoindre. Le lien du serveur Discord est dans la description. Merci, Nvigui, pour ta présence et ton soutien psychologique qui est nécessaire dans cette partie. Là, c'est nécessaire. Ouais, c'est nécessaire. Et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Ligue Autre Gaïka. Allez, ciao tout le monde. À plus.